Bienvenue tout le monde. Moi, c'est Hannah. Et moi, je m'appelle Brieux. Et nous, ensemble avec Justine, on est l'équipe des cyberhéros ici à Bibliothèque sans frontières. On a eu la demande d'Eduquit de présenter les cyberhéros et parler un petit peu de la citoyenneté numérique et qu'est-ce qu'on fait avec les cyberhéros et la citoyenneté numérique dans les écoles, notamment les écoles secondaires, parce que si on a bien compris, vous êtes tous des profs secondaires. Est-ce que c'est bien correct? Oui, très bien. Oui. Et je vois déjà quelques visages que je connais, alors ça me fait plaisir. C'est toujours rassurant de voir tout le monde qu'on connaît. Alors, on va peut-être commencer avec une petite introduction. Aujourd'hui, la présentation, elle va prendre 1 heure, 1 heure 15, et après, il y aura un petit peu de temps pour poser des questions. Le but d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez découvrir un petit peu ce que nous on fait, mais aussi d'avoir vraiment une discussion autour de la citoyenneté numérique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous gérez ce sujet avec vos élèves? Ça nous intéresse aussi. Et vraiment d'avoir votre feedback. Alors, c'est un peu une vrai échange où on voit ce moment vraiment comme un échange égal. On est sur un pied égal aujourd'hui. Alors, on va commencer avec un petit exercice. Une petite mise en situation, effectivement. On a décidé avec Hannah de se dire qu'on allait utiliser des outils qu'on utilisait, qu'on a développés avec les cyberhéros pour directement se mettre dans le bain. Et ici, c'est une première petite activité de présentation. Du coup, voilà, ça c'est sur cette slide la présentation de Hannah et moi-même. Et on va vous demander une personne qui serait motivée de nous interpréter notre mood ou Notre qui état. nous sommes aujourd'hui, Hannah et moi. L'objectif est donc de voir comment interpréter les différents styles d'emoji et les différentes façons de communiquer sur Internet. Voilà. Notre état d'esprit Notre état d'esprit ici. sur Est-ce place. qu'il y a quelqu'un qui a envie de se prêter au jeu et d'interpréter la présentation de Hannah ou moi-même? Avec quelqu'un qui a un enfant, qui est gourmand. Et qui a comme hobby la danse. Anne, je dirais qu'elle adore les jeux vidéo, qu'elle est passionnée d'espace et qu'elle aime bien le café. Voilà. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui voit autre chose? Ou qui Moi, voit j'aurais autrement. plutôt dit. Jean-Jean. Non, moi je vois autrement. C'est vrai que j'ai l'impression que Anne, pour bien démarrer la journée, pour décoller, elle a besoin d'un café. Mais si c'est maintenant qu'elle démarre sa journée. Moi, j'aurais dit que Brieux a une âme d'enfant. Mais donc, effectivement. Moi, aujourd'hui ma journée, j'ai un enfant effectivement en très bas âge et ma journée a été bien mouvementée grâce à cause, je ne sais pas, grâce à elle. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je me définis par elle. Le gourmand, effectivement, j'ai un plan de super souper pour ce soir et il me trotte dans la tête. Que vais-je cuisiner? J'ai une idée assez précise. Et finalement, oui, c'est vrai que la danse, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la personne que je suis. Donc, très bien lu, Delphine. Voilà. Alors, de mon côté, c'est vraiment mon état d'esprit de ce journée-ci. Aujourd'hui, pendant la pause de midi, Brieux, il m'a pris sur le coup. J'étais en train de jouer un petit jeu sur mon ordinateur, toute seule dans mon coin, qui s'appelle Hearthstone. C'est mon petite addiction du moment. Le café, c'est vrai, l'après-midi, j'ai souvent besoin d'un petit café pour me rebooster. Pour me relancer et la raquette, La fusée. la fusée, c'est oui, je me sens bien motivée. J'ai récemment repris la course, alors voilà, je sens que ça va bien et je suis motivée. J'ai envie d'aller loin, voilà, avec ma petite fusée.
Du coup, maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous prêter au même exercice, vous présenter. Comme vous voyez, on s'est présenté moi, qui je suis, les différentes facettes de ma vie, Hanno plus son état d'esprit d'aujourd'hui. Mais donc, on vous invite à, avec votre smartphone, vous connecter ici ou bien avec votre ordinateur sur wooclap.com. Vous connectez à cette page et ensuite il y aura quelques questions. C'est comme ça qu'on va un petit peu interagir aujourd'hui entre nous. On aura pas mal de questions pour vous. Les réponses se feront via Wooklab. Alors, du coup, on vous propose, voilà, sans mettre votre nom bien sûr, ce seront des explications anonymes, sans mettre votre nom, vous présenter. De manière avec trois ou quatre emojis, si vous avez envie de, si vous vous sentez vraiment inspiré, mettez-en un quatrième. Il n'y a pas de souci. La nourriture, c'est vraiment un thème qui revient. C'est pas la nourriture, c'est le chocolat. C'est le chocolat. Spoiler alerte. Petite question au groupe, est-ce que vous vous connaissez entre vous, les gens présents, plus ou Pas moins? tous, je Pas tous. pense. C'est des ou des têtes qu'on a déjà vues. C'est Donc de ça. là à dire qu'on se connaît. Vous avez déjà interagi. Oui, se rencontrer dans les endroits où on rencontre tous les gens qui aiment le numérique. Bien, du coup, on va faire un petit peu la même chose. On va faire rapidement pour ne pas passer des heures là-dessus, mais c'est intéressant aussi de voir les différentes sortes d'interprétations. Si quelqu'un a envie d'y aller et de choisir un des triptyques d'emoji pour le lire, l'interpréter. Moi, j'ai envie de commencer. J'ai envie de commencer par le tout premier qui a été posté parce que je pense qu'on a passé la même nuit. Il y a effectivement quelqu'un dans la salle qui a dû avoir, qui a visiblement un enfant avec. Ouais, effectivement là. Qui a un enfant qui lui a fait passer une nuit pas top, disons. C'est du sport, j'ai l'impression. Du coup, peut-être que cette nuit était mouvementée, et était tellement mouvementée que était aussi fatiguée, que la personne était aussi fatiguée qu'un sportif après un match en entier. C'est comme ça que je l'interprète. Si la personne qui a écrit ces emojis se reconnaît ou veut ajuster un petit peu ce que j'ai dit, qu'elle se lève. Se taisa à jamais. C'était Jérémy. Ah, Jérémy. Ouais, bonjour, hein. Donc ouais, c'était moi. Pour le biberon, ouais, tu as raison, j'ai aussi deux enfants en bas âge. Bah, la fatigue, c'est un peu l'accumulation de tout. Par contre, le sport, non, c'est parce que je suis handballeur et donc le sport, c'était vraiment pour l'emoji sport. C'était toi. Ouais. Ok, top. Merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que tu as envie de lire quelqu'un, Jérémy? On peut, oui. Allez, on va prendre celui avec le soleil. Celui avec le soleil. Donc, ben, je pense que la personne qui s'est présentée est contente que le soleil apparaisse enfin après des vacances de printemps assez grises. Je pense qu'à côté, si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui court. Donc, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde actuellement, on court après le temps. Et par contre, la dernière emoji, je ne vois pas trop ce que c'est. Un surf, selon moi. C'est un surf. Bah donc, je suppose que la personne n'attend qu'une chose, c'est de partir en vacances à la fin de l'année scolaire et de profiter du soleil et de moins courir après le temps. Qui était-ce donc? C'est moi, navré Jérémy, tu t'es complètement planté. Alors, les vacances de printemps n'ont pas été grises pour moi, j'étais à Biarritz en train de faire du surf.
au soleil. Donc, voilà, l'émoji soleil, bah, c'est, voilà, je reviens complètement rechargé pour la dernière ligne droite. Et c'est vrai qu'on a un peu ramené le soleil en Belgique aussi. Donc, voilà, en pleine forme pour cette fin d'année. Top. Merci Sébastien. Et Sébastien, ah, je peux choisir. Tu peux choisir. Compliqué. Je vais prendre l'emoji malade. L'emoji malade. Le bandage sur la tête. Alors, c'est sans doute une personne qui est un petit bobo pour le moment, mais avec un bon café ou un chocolat chaud et une sucrerie, ça nous requinque un peu et on est reparti pour un tour. Virginie, c'est juste. C'était pas ce chocolat là. Alors. C'était Karine. C'est moi. Donc en effet, petit bobo en ce moment, puisque une petite chute et donc du coup j'ai quand même bien mal partout. Et donc le café, c'est surtout pour le matin vu le manque de sommeil, et le chocolat doit accompagner le café comme toujours. Donc voilà. On aime le chocolat toutes les deux, Caro. Oui, ça. Donc, Caroline, que choisis-tu ? Qui choisis-tu ? Je vais prendre celui avec la plage, la famille. La plage, la famille, les burgers. Voilà. Ben, là, je vois quelqu'un qui a une famille et qui n'attend qu'à aller à la plage pour prendre un bon plat équilibré qui est un hamburger. Pour profiter de sa famille. Je ne sais pas si je suis dans le bon. Alors, presque, c'était moi, donc Delphine. Alors, la plage, c'est le retour justement de la côte belge pendant les vacances de Pâques, entre guillemets. Et alors, les deux autres, c'est que la famille est très importante pour moi et le bien manger aussi, d'où le burger. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. On va s'arrêter là ici pour pas. L'exercice est ici. L'exercice, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte. Les emojis, c'est une façon de communiquer et c'est un outil qui peut mettre beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations dans la communication qu'on a via Internet, sur les réseaux. On parle beaucoup du fait que c'est impossible de savoir ce que les personnes ressentent derrière un écran, et donc on casse toute une partie de la communication qu'on a quand on est derrière nos écrans. Les emojis sont une façon de pallier à ce manque d'émotion, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de lire des emojis. Il y a des emojis qui sont interprétés de manière différente. Donc voilà, faire attention à ce qu'on lit, demander à la personne ce qu'elle a voulu dire, ce qu'il ou elle a voulu dire. Donc, c'est toujours de mise. On expliquera un petit peu l'activité de laquelle on a tiré ceci un petit peu plus tard. Donc, pour présenter un petit peu Bibliothèque sans frontières, après ça, Bibliothèque sans frontières, ici, ce qu'on fait, c'est vraiment que notre objectif, par tous les projets auxquels Bibliothèque sans frontières participe, c'est vraiment de renforcer cette autonomie, la capacité d'agir des populations plus vulnérables, mais en fait de toutes les populations, à travers cet accès à l'information, à l'éducation et la culture. Et cet accès à ces choses, l'information, l'éducation et la culture, se fait énormément via le numérique également. Et donc, c'est pour cela que Bibliothèque sans frontières a décidé, de par plusieurs projets différents, vraiment travailler autour de cette éducation et du numérique, avec les cyber-héros d'un côté, ce dont on va parler aujourd'hui, et le projet Khan Academy, dont vous avez sans doute entendu parler également, qui a comme public plus les élèves en humanité, et puis même les personnes plus âgées également, un recueil de plein de petites vidéos pédagogiques qui est sur plein de sujets différents, qui est vraiment travaillé en fonction du cursus, aussi du cursus en humanité. Donc voilà, ces deux projets-là sont les deux projets phares quand on parle d'éducation et de numérique à Bibliothèque sans frontières. Oui, c'est ça. Alors les cyber-héros, ça c'est notre projet. Quand vous entendez cyber-héros,
qu'est-ce que ça provoque dans votre esprit, qu'est-ce que ça ramène pour vous, un cyber-héros, qu'est-ce que c'est pour vous? Vous n'êtes pas obligé de l'écrire ici sur Booklab, vous pouvez vous lancer à l'oral. Vous lancer ici à l'oral. Shoot. Moi, je veux bien, du coup. Virginie. Je pense que les héros du numérique plutôt que cyber-héros, par exemple, mm-hmm. ça se passe sur Internet, quoi. Ouais. Et un héros, qu'est-ce que c'est un héros pour toi, Virginie, mais aussi pour les autres gens présents? Quelqu'un qui a des super pouvoirs et qui veut faire le bien autour de lui. Quelqu'un, oui, très important, quelqu'un qui veut faire du bien. Quoi d'autre? Un personnage qui agit, je vois sur le bouclier. Qui agit positivement. Oui, plus. Ouais. On va afficher différemment, que ce soit un peu plus lisible. Quelqu'un qui protège. Oui, c'est un personnage internet, numérique. Quand je dis personnage, vous pensez à un personnage fictif ou ça peut être une vraie personne? Question pour la personne qui a envoyé cette idée, cette réponse. Ce mot. Personnage, qu'est-ce que ça signifie exactement? Jean-Philippe, on n'entend pas ce que tu dis? Non, je disais justement qu'on pouvait activer son micro. Ah oui, c'est vrai. Ça vaut pour moi. La démonstration par l'absurde. C'est ça. Ça aide souvent. Il y a deux autres termes que j'aime beaucoup aussi, c'est une personne qui inspire et une personne qui aide. C'est vrai qu'en classe et avec les élèves, c'est quelque chose à quoi je me raccroche beaucoup, ce concept d'aide. Tu disais, Virginie, quelqu'un avec des super pouvoirs qui veut le bien, oui, mais pour être un cyber-héros, on n'a pas besoin de super pouvoirs. On a besoin de vouloir agir positivement et de vouloir aider. Un héros, dans les Marvel, ça a des super pouvoirs et ça peut aider plein de gens en un coup, mais un héros, ça peut aussi ne pas avoir de super pouvoirs et aider petit à petit. Si c'est Iron Man, il a construit ses super pouvoirs. Ça, c'est vrai aussi. Il avait un super cerveau. Mais pour aider à avoir un super cerveau, effectivement, et pour aider les autres, ce qui est important et ce sur quoi on travaille vraiment avec les cyber-héros, c'est qu'il faut apprendre. Aider quelqu'un, ça ne se fait pas si on n'est pas capable de faire la petite chose soi-même. Donc, l'objectif des cyber-héros, c'est pas que des cyber-héros viennent aider les jeunes, les enfants, les jeunes, c'est que nous, on amène des outils, nous et vous, on leur amène des outils pour que eux puissent vraiment prendre cette position de cyber-héros et aider d'autres personnes sur Internet, sur l'utilisation d'Internet principalement, évidemment, dans notre thème, mais donc que eux puissent vraiment devenir acteurs de cette utilisation. Oui, tout à fait. Des gens qui inspirent, des gens qui aident des autres personnes. Alors, quand on est sur le sujet d'aide, d'entraide, on est aussi sur le sujet de la société. En fait, c'est quoi de faire partie d'une société et de manière constructive, en fait. Et ça nous ramène à la thème ou à la notion de la citoyenneté numérique dont on parle très souvent. Et c'est un sujet que je tiens quand même à cœur et je pense, Brieux, toi aussi. En fait, la citoyenneté numérique, c'est quoi être un bon citoyen sur Internet? Je pense qu'on peut peut-être tout de suite passer à la définition. Voilà. Alors, on va participer ici. On a la définition. On va pas la prendre par cœur. C'est pas nécessaire. Mais il y a quand même quelques petites choses qu'on aimerait vous dire en haute voix où on veut mettre l'accent. Alors, on va participer de façon active, positive et responsable aux communautés en ligne et hors ligne. Alors, ces communautés en ligne et hors ligne, pour vous, c'est quoi une communauté en ligne? C'est quoi une communauté hors ligne? C'est quoi la différence pour vous? Allumez vos micros. Ce serait quoi des différences entre des communautés en ligne et hors ligne?
quelqu'un a une idée, on peut se tromper, hein. Enfin, on peut se tromper, bon, en fait, on ne se trompe pas, on a des idées, c'est tout. Bah, je vais me lancer. Mais les communautés en ligne, bah, le lien entre les différentes personnes se fait via Internet, les différentes applications, et les communautés en ligne bah, se fait en real life, en de face à face. Et qu'est-ce que quel autre mot est-ce que on pourrait utiliser en ligne, hors ligne? On pourrait les traduire comment? En un mot ou deux. Est-ce que quand on dit en ligne, hors ligne, ça vous fait... Les deux en un seul mot? Non, chacun avec un autre mot pour en ligne, un autre mot pour... En distanciel et en présentiel. Enfin... En distanciel, en présentiel. Il y a, Sébastien, tu disais donc via Internet et puis real life. Et ouais. On essaye de parler de ce en ligne et hors ligne plutôt que souvent on parle de réel versus virtuel. Parce qu'effectivement, la real life, eh bien, elle est en ligne également. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être un enfant qui se fait harceler sur les réseaux quand il arrive à l'école le lundi. C'était quand même sa vraie vie, même s'il n'était pas en présentiel avec les autres. Ça a un impact tout à fait réel et qui peut être grave également. Il y a des communautés, et ça peut avoir un impact très positif aussi, certaines communautés en ligne, mais c'est la réalité pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes et pour nous également. Donc, c'est en ligne et hors ligne, c'est faire cette balance-là de se rendre compte que Internet, c'est la vie réelle aussi. Peut-être pas la vie en présentiel, où on peut voir, sentir, toucher la personne, mais il y a plein d'autres choses qui se passent et ces choses sont réelles. Autre chose, c'est en fait les compétences qu'on va apprendre aux enfants. Ce sont des compétences qu'on va apprendre tout au long d'une vie. Voilà, même nous, on est toujours en train d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on est adulte que l'apprentissage s'arrête. La technologie, c'est quelque chose qui évolue très vite. Alors, je pense que vous êtes, la majorité d'entre vous, vous êtes des profs d'informatique. Vous voulez rester sur le coup, vous voulez rester informé quand même sur le sujet. Alors ça, c'est quand même très, très important. C'est aussi un apprentissage qui se fait dans plusieurs domaines de la vie. C'est à l'école, mais c'est également à la maison, c'est également en contact avec des autres gens, dans la rue, avec des amis, etc. etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette définition ou on peut passer à autre chose, à quelque chose peut-être un petit peu plus actif? On va faire un petit quiz. Alors, je vous invite à reprendre votre téléphone et on revient sur le booklet. On va vous afficher trois questions et vous pouvez répondre avec votre téléphone. Est-ce que tout le monde est encore connecté sur le booklet ou est-ce qu'on doit remettre la slide avec le QR code? Alors, on passe à la première question. 56% des élèves en primaire dispose d'un smartphone. Quelle, selon vous, est la proportion en secondaire? C'est du rapide, ça n'hésite pas trop. 8 sur 9. Je pense que tout le monde a répondu. Alors, on est en effet en 94%. C'est presque tout le monde en secondaire qui a un smartphone. L'âge moyen pour ce premier smartphone, c'est 11 ans. Et alors, en tout cas, ça, c'était l'âge moyen en 2020. C'est un chiffre qu'on a sorti de l'enquête 2022. En 2024, il y a des nouveaux chiffres qui vont sortir. Et sans doute, on va voir que le premier smartphone,
il va arriver beaucoup plus tôt. En Flandre, c'est déjà le cas. En Flandre, c'est à partir de 8 ans que les élèves, les enfants ont leur premier smartphone déjà. Et en P6, on est sur 86% des élèves qui ont son premier smartphone. Alors, ils sont très, très connectés et ça a une grande influence sur comment ils vont percevoir le monde et sur comment ils vont interagir avec leurs amis. Mais c'est quelque chose sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard aussi dans la présentation. Deuxième question. Quelles sont les applications préférées des jeunes de 12 à 18 ans? Alors, des jeunes en secondaire. J'ai l'impression que... Toc, toc, toc. Ouais. Ah, il y a aussi de l'Insta. Et Snapchat, Instagram, TikTok, Instagram, Be Real, Brawl Stars. Donc ici, on voit effectivement 90% des réponses qui parlent de réseaux sociaux. Donc les Snapchat, les Instagram, les TikTok. Google Classroom. Il y a quelqu'un avec beaucoup d'espoir. On croise les doigts. C'est spoiler alert, Google Classroom n'est pas encore dans les applications préférées des jeunes. Mais effectivement, ces applications pour des enfants, dès qu'ils ont un smartphone connecté, parce qu'on fait encore la différence entre un smartphone connecté, c'est-à-dire un smartphone avec la 3G, 4G, 5G. Et les enfants qui ont un smartphone avec uniquement Internet lorsqu'ils sont à la maison, les utilisations sont différentes. Mais effectivement, dès qu'on commence à être connecté en tout temps, partout, eh bien, les réseaux sociaux pour les enfants deviennent l'activité principale, que ce soit Snapchat, Instagram, TikTok, ça devient l'activité principale des enfants aussi. En effet. Et on remarque une grande différence entre les enfants en primaire et les enfants en secondaire. En primaire, c'est plutôt un usage, une utilisation passive. Ils vont regarder, ils vont écouter, ils vont encore jouer des jeux. Le moment qu'ils passent en secondaire, c'est vraiment une utilisation active du smartphone. Ils vont publier des choses eux-mêmes et ils vont utiliser les réseaux beaucoup plus pour communiquer. Et ça, c'est vraiment une différence entre le primaire et le secondaire. Et ça change à partir de 11 ans, à partir du moment où ils ont ce premier smartphone. Effectivement. Parce qu'on parle aussi, il y a un ou deux jeux qui reviennent et Discord qui est lié à ces jeux. Les enfants, à partir du début des humanités, vont commencer à prendre part beaucoup plus activement aux communautés en ligne. Communautés que ce soit autour d'un jeu, autour d'un sujet, peu importe. Et Discord est effectivement une plateforme très importante de communication autour d'une communauté, d'un sujet. C'est ces utilisations-là. On n'a pas beaucoup parlé de YouTube, mais tout ce qui est en lien avec la musique et la vidéo, c'est très très important aussi. C'est l'utilisation numéro une des enfants en primaire. C'est regarder des vidéos. Et à partir du moment où ils deviennent adolescents, ils vont commencer à beaucoup plus créer aussi le contenu TikTok, mais le contenu YouTube. Il y a plein d'enfants en humanité qui veulent devenir YouTubeurs et qui se sont créés une première adresse Google et du coup qui ont un compte YouTube et ont déjà essayé de créer du contenu sur Internet. Alors, on va passer à la dernière question. Sauf si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous interrompre. Dernière question, pourquoi l'âge minimum pour s'inscrire sur un réseau social est 13 ans en général? Il y a aussi Messenger, je crois, qui est 16, mais le reste, c'est 13.
Donc, 8 personnes. Oui. Alors, 8 personnes ont répondu, en effet. Alors, 5 personnes pensent que c'est en lien avec les publicités. Et en effet, je pense que c'est en 2016-2017 que la nouvelle loi autour de la vie privée est sortie, le RGPD. Et à partir de ce moment, c'est en effet interdit de cibler des enfants en dessous de 13 ans par des publicités très, très spécifiques. Et voilà, les publicités, ça c'est vraiment comment les réseaux sociaux fonctionnent. C'est gratuit, alors ils doivent chercher leurs ressources financières autre part, et ils vont faire ça par nous envoyer beaucoup de publicités en lien avec les algorithmes et les cookies, bien sûr. Est-ce que quelqu'un pourrait se lancer dans l'explication d'une publicité ciblée? Parce que c'est un terme qui est omniprésent sur Internet. Donc... C'est en fonction des data, non? En fonction des data et des sites fréquentés par l'enfant. Ou l'enfant, n'importe quelle personne qui est sur Internet. Effectivement, quand Anne parlait d'algorithmes et des différentes recherches que l'on fait sur Internet, les publicités vont enregistrer tout ce qu'on fait et grâce à des algorithmes, se dire, se réfléchir un peu et se dire, alors cette personne, s'il est allé voir ce site-là, ce site-là, ce site-là, et a été faire cette recherche-là, il est intéressé par telle ou telle chose, on va lui envoyer ces publicités-là. Ça va encore plus loin que ça. Aujourd'hui, là où avant, le nombre de clics avait beaucoup d'importance, aujourd'hui, les algorithmes vont être beaucoup plus sensibles et vont calculer le nombre de secondes et même de demi-secondes que l'on va rester sur un titre, sur une page, sur une information, sur une image. Et les algorithmes vont pouvoir déterminer quel style d'image on va regarder, sur quel style d'image, par quel style d'image on va être absorbé, et donc nous proposer ça encore plus. Aujourd'hui, on n'essaye pas d'optimiser le nombre de clics, aujourd'hui, on essaye d'optimiser le temps passer sur tel ou tel site, telle ou telle information. Et donc, c'est vraiment ça aussi, cette publicité ciblée, ça va vraiment essayer de travailler le temps qu'un ou une utilisateur va passer à regarder cette publicité. Et avec le RGPD, le nouveau RGPD, c'est interdit de cibler les enfants avec ces algorithmes-là. C'est tout à fait permis de faire de la publicité envers les enfants. Donc faire une publicité pour un jeu pour enfants ou pour un produit pour enfants, on peut le faire, mais c'est juste qu'on ne pourra pas utiliser les données. Tu as moins de 11 ans, donc je t'envoie cette publicité-là. C'est cette partie-là qui est interdite encore aujourd'hui. Des remarques, des retours, des questions sur ça, sur les cookies, sur les algorithmes, où tout le monde comprend plus ou moins le fonctionnement de ces choses-là. Et si vous avez... Oui. J'allais dire, il y avait une belle série sur Netflix, il me semble, qui expliquait justement le fonctionnement de Facebook et tout ce que vous venez de dire. Virginie ? Non, je n'ai plus du tout le nom en tête. S'il revient, peut-être mets-le dans le chat, ça peut être intéressant. N'hésite pas, ouais. Pour nous, mais allez voir. Pour les autres gens qui sont présents. Ok, du coup, pour résumer un petit peu, effectivement, on voit que dans l'enseignement secondaire, les enfants utilisent énormément le smartphone pour être en lien avec les informations, etc. Donc, les différentes informations qu'ils ou elles recherchent. Au-dessus de la télévision, dans l'enseignement primaire, on voit que la télévision reste le média principal utilisé par les enfants. Mais une fois que les enfants sont connectés de manière générale, donc je le disais, via la 3G, 4G, eh bien, la télévision passe au second plan et c'est vraiment tout le monde qui commence à utiliser les réseaux sociaux principalement pour s'informer derrière nos écrans de fumée.
Ou de Social Dilemma. Merci beaucoup, Justine. C'est celui-là, oui. Et Jean-Philippe parle aussi d'une mini-série sur Arte, Do Not Track, ça s'appelle. Voilà. Donc, on sait ce qu'on va faire de nos mercredis soirs. C'est ça. Ouais. Dormir et regarder la télé. Trop voilà. Bien. Alors, c'est quoi les usages les plus populaires chez les jeunes? Alors, on les a déjà nommés, en fait, jouer. C'est très populaire, regarder, écouter de manière passive. Faire des recherches, c'est quelque chose auquel vous avez moins pensé, mais ils vont faire énormément de recherches en ligne. Ça ne veut pas dire que toutes les recherches qu'ils vont faire sont aussi des recherches fiables ou vont donner des infos fiables. Faire des devoirs. Alors, quand même, un petit peu Google Classroom, il y a de l'espoir. Créer, publier. Alors, surtout en secondaire, ils vont créer, publier, parler, interagir. Sur cette recherche d'informations, je vais vous partager dans le... Non, c'est l'autre. Ici, je vais vous partager... Non. Je l'avais mis où? Dans le Slack. Non, c'est celui... Excusez-moi. Je l'ai perdu à l'instant. Je vais aller rechercher. C'est un article sur l'utilisation de TikTok parce que on se rend compte qu'à partir du moment où ils utilisent les réseaux sociaux, comme je le disais, les réseaux sociaux deviennent leur source primaire et presque unique d'information. Il y a un article qui est vraiment, vraiment sympa, c'est un article en anglais qui explique un petit peu l'utilisation de TikTok. Et c'est une recherche qui a été faite aux États-Unis sur l'utilisation de TikTok et l'information sur TikTok. Ils ont fait une étude sur plusieurs sujets différents et ils ont analysé toutes les informations qui tournaient sur ces sujets-là. Il y a eu le sujet de la guerre en Ukraine, des élections américaines, ils parlaient encore d'un ou deux autres sujets. Mais ils se sont rendus compte que sur ces plateformes-là, dans 20% du contenu que l'on trouvait là, il y avait un certain type de désinformation. Tout le contenu n'était peut-être pas faux, mais systématiquement, dans 20% des cas, il y avait des informations erronées, voire fausses de manière intentionnelle. Sur cette plateforme. Et donc, il faut vraiment rester vigilant parce qu'étant donné que les enfants utilisent ça de manière exclusive pour s'informer, eh bien, il faut, c'est un devoir de leur apprendre à faire la différence et à rester vraiment critique. Parce que toutes ces plateformes-là, c'est pas facile à dire, n'ont pas signé comme les journaux de charte de déontologie. Les personnes sur ces plateformes peuvent mentir, peuvent ne pas se renseigner lorsqu'ils postent du contenu. Il y a aucun souci. Là où les journaux, normalement, ils ont signé une charte qui disait qu'ils ne peuvent pas, de manière consciente, dire des mensonges. Donc voilà, c'est pour vraiment faire des recherches. Et je vous invite à lire cet article-là. Si je peux y aller de mon expérience personnelle avec mon fiston, il prend effectivement pour argent comptant tout ce qu'il voit. Et alors, il nous sort des vérités en disant « Mais je sais ça !» Alors que « Ben oui, mais tu sais ça comment ?» Ben, je l'ai vu sur YouTube. Et puis, c'est tout. Il ne va pas chercher plus loin, effectivement. Il a quel âge, Virginie ? Il a 10 ans. Ouais. Cinquième primaire. Ouais. Ce qui est hyper intéressant dans ces cas-là, moi, je me suis rendu compte que dans les animations que j'ai faites à ce sujet-là, dans les classes, c'est de vraiment faire la différence entre une opinion et un argument, une opinion et une information. Et bon, c'est pas facile avant 10-12 ans, mais à partir d'un moment, c'est vraiment intéressant de se dire « Ok, je pense que… » ou bien…
j'ai lu et j'ai la preuve que. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment, vraiment intéressant et chouette à faire. Ça peut être très, très interactif et chouette à faire sur Google, par exemple, parce qu'il y a plein d'informations. C'est un endroit où on peut trouver plein d'informations très, très rapidement. Et si on a deux, trois codes, ça peut être assez chouette de faire des recherches sur des sujets qui les intéressent, bien sûr. Donc voilà pour les usages, pour les différentes applications dont on a parlé. Peut-être avant qu'on passe à ce slide. Ouais, avant qu'on passe à ce slide, on va vous balancer la question par rapport aux enjeux liés à l'utilisation de l'Internet. C'est quoi les enjeux les plus importants, ouais, selon vous, à ce moment, pour des jeunes, pour vos élèves? Alors, je vous invite vraiment de rester avec votre casquette de prof. Certains d'entre vous ont aussi des enfants, mais quand vous regardez vos élèves, selon vous, c'est quoi les enjeux les plus importants liés à les réseaux sociaux? N'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que par enjeu, vous voulez dire plus des thématiques qui les intéressent ou davantage des éventuels risques ou problèmes ou défis qu'ils peuvent rencontrer? Pour moi, c'est des problèmes. Effectivement, on parle ici des défis, des problématiques, des choses auxquelles on doit rester attentif lors de l'utilisation d'un outil comme Internet. Merci pour la question, Justine. Cher professeur, n'hésitez pas à nous dire, cet échange ne sera fort que de vos interventions. Ben moi, je dirais au niveau harcèlement. Voilà, parce que ben, les élèves mettent, on va dire, tout et n'importe quoi sur un écran parce qu'ils n'ont pas la personne en face. Ils n'arrivent pas à visualiser les dégâts que ça peut faire de l'autre côté parce qu'ils sont face à leur écran et pas face à la personne. Mmh. Effectivement, on le disait tout au début, c'est le manque de contact physique ou visuel avec quelqu'un va mettre des barrières, et ces barrières, il faut apprendre à les briser d'une certaine manière, en tout cas, ou à être conscient de la personne qui se trouve derrière l'écran, de l'autre côté de l'écran, et pour créer une nouvelle forme d'empathie numérique. Oui. Et là-dessus, il y a aussi un article très intéressant, mais je n'ai pas le lien sous les mains. Mais ça s'appelle The Disinhibition Effect. C'est aussi, je peux le taper tout de suite dans le chat. Mais c'est un scientifique qui explique pourquoi c'est beaucoup plus facile, quand on est derrière un écran, de faire mal à quelqu'un d'autre. Il y a certaines raisons psychologiques qui vont jouer. Parfois, on ne se rend pas toujours compte. Et c'est beaucoup plus difficile d'être empathique avec quelqu'un quand on n'a pas la personne face à face. Et on peut aussi beaucoup plus facilement se distancer de nos actions, en fait, quand on prend un persona virtuel, entre guillemets, un persona sur Internet ou un avatar. On peut se cacher derrière ça. Tout à fait. Mais du coup, ça, c'est fort lié, effectivement, donc, au cyberharcèlement. Est-ce que quelqu'un voit ou pense à un autre enjeu? Oui, j'allais dire par rapport au vécu de terrain. Je ne sais pas si Anne s'en souvient. On a eu beaucoup de soucis avec les complotistes et les jeunes qui croyaient que la Terre était plate à une période. Peut-être encore maintenant. Non, maintenant, c'est l'électricité dans les pyramides. Mais, voilà. Les platistes sont encore bien présents sur Internet. Ouais. Je me souviens beaucoup de théories de complot autour du Covid. Oui. Chez nos élèves. Oui. Comment vérifier une info? C'est très difficile d'aller en discussion avec quelqu'un qui est convaincu qu'il a raison sur certains sujets. C'était un vrai défi. Mais ça allait même plus loin, parce que c'était les parents qui croyaient. Et donc, du coup, les enfants disent « Mais non, mes parents, ils pensent comme ça, donc c'est comme ça. Ouais. » Et c'était pareil, les parents étaient sur les réseaux sociaux et donc les enfants aussi. Ça, effectivement, cette théorie du complot,
c'est fort lié et puis c'est pour ça que une des utilités vraiment de l'école, l'esprit critique, c'est important de le travailler, ça se construit tous les jours. C'est quand on parlait d'arguments, la différence entre une opinion et puis un argument aussi, ça touche à ça. La désinformation sur Internet, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent aussi. On parlait de ces 20% d'articles faux sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est les théories du complot, c'est une bulle de la désinformation. Oui, moi, je n'ai pas d'expérience, effectivement, avec des enfants et sur ce sujet-là. Donc... Oui, j'ajouterais aussi l'addiction et le manque de sommeil qui va avec. Beaucoup d'élèves restent connectés jusque pas d'heure, que ce soit pour communiquer avec d'autres, pour être sûr de ne pas manquer une info sur un groupe ou sur des jeux, ou enfin un peu tout sujet, mais vraiment un manque de sommeil, ils arrivent fatigués en classe. Ça, c'est vraiment un gros problème actuel, je trouve. L'attention. Quelque chose qu'on a vécu dans notre vie de prof, Virginie, je pense. Toujours. Et pour ça, est-ce que vous arrivez à... les enfants, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce que c'est possible de leur en parler? Est-ce que c'est mettre des choses en place? Ou bien ça, c'est des choses qui sont vraiment... Ça doit venir de la famille, ça doit venir de la maison. C'est une grande discussion, ça. Oui, c'est le gros débat. Quand on discute avec les parents nous disent oui, mais maintenant, ils ont un Chromebook avec eux, donc il est dans leur chambre, donc on n'a plus vu dessus, on ne sait pas ce qu'ils font, et ils ont l'impression que ce n'est plus à eux de gérer, parce que c'est un outil qui est mis en place par l'école, en fait. Et nous, on vient dire que une fois qu'ils emploient le Chromebook à la maison, c'est les parents qui doivent justement prendre le relais et mettre les limites, et ça, je pense que c'est au niveau familial qu'il faut le faire, justement. Donc, c'est compliqué de trouver des solutions, discuter avec l'enfant, oui. Maintenant, au premier degré, je pense qu'ils ne se rendent pas vraiment compte des dégâts que ça occasionne. Ils dorment sur leur banc en classe parfois, ça ne leur pose pas de soucis, eux, en fait. Ils n'ont pas l'impression que ça pose problème. Mm-hmm. Ouais. Parce que la priorité n'est pas au niveau scolaire, quoi. La priorité est justement sur tout ce qui se passe à côté, sur tous ces écrans. Tout à fait. Ce côté addiction et déboussolement, du coup, perte de repères temporels liés aux écrans. Absolument. Est-ce que quelqu'un voit encore un... Lié à ça, addiction, consommation et problème de l'attention. Parce que naturellement, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, c'est souvent des petites vidéos faites pour retenir l'attention et qui font qu'on swipe et qu'on passe d'un truc à l'autre par rapport à la vie de tous les jours qui est beaucoup plus ennuyeuse, qui est beaucoup plus lente. Ça a des conséquences. Et ça fait de nous, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, en tout cas beaucoup de gens ici, ça fait de nous des consommateurs. Absolument. Nous sommes le produit du réseau social. C'est notre temps, c'est par là qu'on les paye. Donc quand on parlait du nombre de secondes qu'on reste sur une publicité, c'est comme ça qu'on les paye vraiment. Donc effectivement, tout est créé pour garder notre attention. Et ils sont vraiment très 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 très, très bons là-dedans, dans les réseaux sociaux et différents aspects de ces réseaux, les jeux, etc. Maintenant, c'est le fait qu'on prenne du temps. La faute n'est pas l'écran en tant que tel. Le contenu, oui, et la façon dont on consomme le contenu. Je pense qu'il y a une part de choses à faire entre... Parce qu'il y a du contenu qui est vraiment extrêmement intéressant et sur lequel on va passer beaucoup de temps parce que ça nous apprend énormément de choses. Et celui-là, si on considère l'ensemble de ce contenu comme quelque chose qui peut être dangereux pour faire avoir des troubles de l'attention ou vraiment créer une addiction, bien
il faut quand même pouvoir se dire que c'est un outil, apprendre à l'utiliser, c'est important. Maintenant, pas s'empêcher d'utiliser parce qu'une partie est mauvaise aussi. Mais c'est le défi, c'est l'apprentissage et la gestion justement de l'attention et des écrans. Comment faire en sorte que les élèves justement produisent, quand ils sont devant un ordinateur, une tablette, produisent et créent, ou plutôt que de simplement consommer des contenus, attire l'arigot. Il y a des petits gestes, je pense, qu'on va devoir leur apprendre et qui ne sont pas encore dans les contenus pédagogiques, malheureusement. Mais bêtement, moi, ce qui me sauve pour l'instant, j'ai assisté à une conférence sur c'était l'écologie et le numérique. Je ne sais plus c'était quoi le titre exactement. C'était à la journée du CEGEC. Et là, il disait dans les paramètres de Facebook, par exemple, on peut désactiver le lancement automatique des vidéos. Je passe beaucoup moins de temps sur Facebook depuis que ce paramètre-là est coché, en fait. Les vidéos ne se lancent plus et donc je n'ai plus tendance à les regarder. Déjà, juste ça, si on peut le montrer à tous les jeunes ou si ça existe sur d'autres réseaux, ben, ça peut être top. Oui, ben, c'est intéressant que tu partages ça, Virginie, que tu partages un petit peu tes propres pratiques. Est-ce que... Voilà, maintenant, je vais vous reposer la question, mais comment... Les enjeux pour vous, c'est quoi, comment vous allez gérer votre temps sur Internet ou comment allez-vous gérer les infos que vous voyez en ligne? Est-ce que vous avez des stratégies que vous allez appliquer en tant qu'adulte, en tant que prof? Vous êtes aussi un petit peu dans le flou par rapport à certaines choses? Est-ce que la question était claire? Est-ce que la question était claire? Moi, pour moi, oui, mais... Mais il y a des stratégies d'inhibition à mettre en place au sein des classes, mais ce n'est absolument pas pris en compte, ce n'est absolument pas appris et développé. C'est assez difficile à mettre en place, je crois. Il y a des stratégies aussi de prise de conscience, que ce soit dans le cours de français, les cours de citoyenneté et autres, l'éducation aux médias. Mm-hmm. C'est très large. Et quand tu parles de stratégie, est-ce que tu as un exemple concret lié à un des enjeux dont on a parlé, que ce soit le harcèlement, que ce soit la désinformation, que ce soit l'addiction, quelque chose que tu penses que tu pourrais mettre en place ou tu pourrais quelque chose qui ferait sens dans une classe de l'humanité? Bon, la dernière fois que j'ai enseigné, c'était il y a un an. Pour j'allais travailler le principe de la désinformation. Mm-hmm. C'est vrai que là, par des petits jeux, des petites activités, on peut les prendre à défaut, on peut les amener à se rendre compte de certaines bêtises qu'ils ont dans un premier temps, parce que la première chose qu'on fait, c'est cliquer, c'est accepter une vérité toute faite, c'est les biais cognitifs. Les amener à prendre conscience et à prendre du recul par des petits jeux, ça c'est une possibilité, c'est une hypothèse qui se met facilement en place en cours de français ou dans des cours de ce type-là et qui marche bien. Mais entreprendre, par contre, par rapport à l'attention et le fait de prendre de la distance tout le temps, ça, je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas eu le temps. Est-ce que quelqu'un a réussi à travailler ce sujet-là? C'est pas le travailler, mais quand on part en retraite avec les élèves, parfois ça arrive, alors on impose voilà, le GSM, c'est de telle heure à telle heure, et tout le reste du temps, on ne veut pas le voir. Et souvent, ils nous disent, ben, ça fait du bien, finalement. Même s'ils ont du mal, le premier jour, on doit faire la remarque tout le temps. Après, ben, ça commence à rentrer. Ouais, dès qu'on est reparti de la retraite, c'est fini. Hein, mais ça, c'est déjà une petite conscientisation de, on a été bien sans les réseaux, sans les nouvelles. Mais ils sont parfois anxieux, quand même. Hein. Une autre étude, pour rebondir là-dessus, que j'ai lue, ça parlait de quand on n'a plus de téléphone, on a pendant 2 semaines, ça prend 2 semaines avant que notre cerveau se remette dans un état d'avant et commence à être créatif ou de faire des choses qu'on faisait il y a 30 ans quand on n'avait pas encore tous ces réseaux sociaux et tout l'Internet. Alors, ça, je trouve 2 semaines, c'est beaucoup de temps, je trouve, avant qu'on se remette dans un état non connecté. Ça explique pourquoi les élèves avaient du mal.
Oui. On ne part pas 2 semaines avec les jeunes. Oui. Absolument. Est-ce que quelqu'un a une dernière chose sur un dernier enjeu ou envie de partager une avant de passer à la suite? Non? Alors, je propose effectivement de passer à ceci. Donc ici, c'est un petit peu pour mettre, pour parler, pour mettre des chiffres un petit peu sur ces différents enjeux. On va se concentrer sur l'enseignement secondaire qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Mais on voit effectivement toujours de cette enquête de Génération 2020 que le cyberharcèlement, ces messages blessants, une personne sur deux, un jeune sur deux, dit avoir reçu des messages comme ceci. Et ces messages, principalement, venaient de personnes connues. Du coup, c'est dire des choses blessantes et blesser quelqu'un, quand il s'agit de le faire sur les réseaux, eh bien, c'est moins un problème si on ne voit pas la personne. On revient un petit peu à ce disinhibition effect dont on parlait, dont Anne parlait juste avant. Il y a aussi 79% des enfants qui disent ne pas accepter certaines personnes sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais les personnes qu'on ne connaît pas qui viennent nous parler sur les réseaux sociaux, les jeunes de cet âge-là, c'est vraiment une cible privilégiée de personnes mal intentionnées de tout type qui rentrent en contact avec des jeunes pour leur faire croire ou les inviter à... on voit quand même que la plupart des jeunes ont le réflexe de ne pas accepter. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est les 20% qui restent, qu'il faudra encore éduquer à ça. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est le contenu coquin, sexuel, qu'on trouve sur Internet. Et en humanité, dans le secondaire, 15% des élèves n'ont pas reçu du contenu comme ça, mais en ont envoyé. Donc, il y a 15% qui ont déjà pris des photos d'eux nus ou peu importe, et la plupart l'ont envoyé à leurs copines ou à d'autres. C'est quand même des chiffres qui, pour moi, étaient impressionnants. Et très souvent, c'est sans consentement. On reçoit une photo sans l'avoir demandé, sans vouloir le recevoir. Il y a aussi beaucoup de sexisme là-dedans. C'est très souvent, la faute est très souvent mise sur la fille, si elle reçoit ou si elle envoie. C'est sa faute parce qu'elle a fait quelque chose de mal pour pouvoir recevoir cette photo. Ou elle envoie une photo parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Voilà, c'est très souvent la fille qui va recevoir la blâme de ce genre de message. Et on voit aussi que ce contenu-là entre deux personnes, ça reste dans la sphère du privé, mais souvent ce contenu est répandu. Et effectivement, c'est la plupart du temps des photos que des filles auraient prises d'elles-mêmes qui sont répandues à tout le monde, partager à tous les copains ou voler sur un téléphone. Et du coup, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention également. Voilà. On peut regrouper tous les enjeux, toutes les problématiques, les risques en 5 catégories. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait avec les cyber-héros. Alors, tous les risques qui ont lien avec la vie privée et l'empreinte numérique, c'est quelque chose que vous n'avez pas dit dans vos réponses, mais sans doute vous avez déjà été confronté avec ça. Le partage des photos, par exemple, l'usurpation d'identité, le droit à l'image qui n'a pas été respectée, par exemple, une photo sexy ou pas sexy qui a été prise de quelqu'un et qui a été partagée sans l'accord de la personne, par exemple. Tout ce qui est en lien avec la sécurité en ligne et la confidentialité,
vol de données personnelles, piratage, des achats non sécurisés, etc., etc. Les interactions en ligne, voilà. L'harcèlement, les contacts sociaux, le manque d'empathie qui est très, très pertinent en ligne. Les challenges, c'est aussi quelque chose sans doute auquel vous avez déjà été confronté. Véracité de l'information, voilà, les théories de complot, les fake news, la maisonnage, voilà. Mésinformation aussi, c'est pas nécessairement intentionnel. On peut aussi avoir des choses, des petites blagues qui sont prises pour de vrai, etc., etc. Et les aspects psychologiques que vous avez quand même provoqués assez largement. Voilà. L'addiction, aussi l'estime de soi, parce qu'on est tout le temps confronté avec des contenus idéalisés. Et ça, c'est aussi un réel souci avec les jeunes. Tous les filtres qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux, et à un moment, on voit que ça, en fait, c'est l'algorithme de nouveau qui va faire qu'on voit qu'une certaine type d'image, souvent des images très idéalisées, et on va commencer à se comparer avec, avec ça. Tout à fait. Et pour les cyber-héros, effectivement, avec les cyber-héros, on a repris ces cinq types de risques, et c'est vraiment les cinq piliers qu'on en a fait avec les cyber-héros. On a, et je peux peut-être revenir par ici, je vais vous partager... C'est notre dossier pédagogique avec les activités. Effectivement. Donc voilà, ici, c'est le dossier pédagogique qu'on a développé chez Bibliothèque Sans Frontières avec les différentes activités, le contenu de différentes activités qu'on peut mettre en place dans les classes, qu'on peut animer dans des classes. Et on a vraiment séparé ces activités en cinq piliers avec cyberfuté. On leur a donné des petits noms un peu cool. Cyberfuté, qui lui va vraiment se concentrer sur tout ce qui est effectivement partage d'informations, partage de données, etc., le droit à l'image. Toutes les activités vont aller vers ces sujets-là. Cybervigilant, qui va traiter de la désinformation, le vrai, le faux sur Internet, comment faire la différence, comment rester critique. Cybersecret, qui va parler de la sécurité en ligne, du mot de passe, c'est quoi un mot de passe, c'est quoi... l'authentification double facteur, par exemple, on peut parler de ça là-dedans, comment protéger ces données, etc. Cyber sympa, ça, il va traiter de tout ce qui est cyberharcèlement aussi, mais toutes les interactions qu'on peut avoir, les interactions sociales qu'on peut avoir en ligne, comment réagir à tel ou tel, comment s'exprimer, comment réagir, comment rester empathique, etc. Et finalement, cyber courageux, le cinquième pilier qui va être plus... axé sur la psychologie, c'est vraiment comment observer l'état dans lequel une situation ou quelque chose sur Internet nous met, et comment réagir face à cette situation émotionnelle, où aller chercher de l'aide, comment aider quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire dans quelle situation. Comment mettre des limites, en gros. Hein. Comment mettre des limites. L'importance d'une personne de confiance aussi. Ça, c'est aussi assez perturbant. Beaucoup de jeunes ne savent pas où aller quand ils sont confrontés avec un souci en ligne. Voilà, ils s'enferment un petit peu dans leur bulle et ils n'en parlent pas. Alors, avec les cyber-héros, on essaie quand même vraiment de mettre l'accent là-dessus, que c'est courageux d'en parler avec quelqu'un. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est vraiment un signe de force, en fait. Tout à fait. Et donc ici, comme vous voyez, ici un petit peu, on ne va pas lire tout, mais c'est vraiment les activités qui sont classées selon la thématique. Et ces thématiques ont été pensées selon, voilà, ici, selon un référentiel de compétences. Et ces différentes compétences... Ça aide, effectivement. Ces différentes compétences qui sont dans le FNTTM, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, un référentiel que vous utilisez peut-être déjà, ou en tout cas début de l'année prochaine, ce sera un référentiel
qui vous sera proposé. Mais donc voilà, les informations et les données d'une part, la communication et collaboration d'autre part, création de contenu, quelque chose qui est que les cyber-héros abordent dans la théorie mais n'abordent pas dans la pratique. Donc, les cyber-héros ne vont pas proposer de créer du contenu, ils vont se poser la question de tiens, qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce que je dois faire si je veux créer du contenu, et puis la sécurité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que effectivement, les différentes activités, en fonction de l'âge, ici P3, P4, en fonction de la compétence qu'on veut travailler, et puis toutes les différentes activités qui sont liées à ça. Jean-Philippe, tu pourrais nous montrer ce qui concerne spécifiquement le premier degré ou la troisième secondaire? Ici, le public des cyber-héros, oui. Le public des cyber-héros est de 8 à 13 ans. Donc, nos activités vont jusque la première. Secondaire 1, première secondaire. Mais on a, avec les cyber-héros, on va, à partir de l'année prochaine, aussi cibler un petit peu plus les écoles secondaires avec un programme de mentoriat. Alors, on va... Oui, ouais, on va apprendre. Merci Marion. Au revoir Marion. C'est les cybercaptains, c'est ça, ou ça? Les cybercaptains, c'est ça le nom de notre projet en secondaire. Alors, nous, les cyber-héros, les formateurs vont venir en classe et on va discuter avec les jeunes. Pour eux, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi leurs usages en ligne. Et on va leur apprendre à faire des activités avec les plus jeunes. Alors, ils vont devenir des animateurs, des mentors. Des cyber-héros. Des cyber-héros, en fait. Parce qu'on croit qu'une approche intergénérationnelle où un jeune parle à un jeune, ça a parfois plus d'impact qu'un adulte qui va parler à un jeune. Alors, on veut travailler un petit peu plus à l'horizontale. Et c'est là, je pense, que ça peut devenir intéressant pour vous avec le petit programme des cybercaptains. Tout à fait. Non. Je dois changer. Je vais arrêter la présentation. Je vais vous montrer une activité que je fais dans les écoles et que j'ai aussi fait en première et deuxième humanité, c'est... Même en 3-4, elle fonctionne. Même en 3-4, elle fonctionne. Pourquoi est-ce que je ne vois pas... J'allais dire les sujets. Enfin, moi, pendant le confinement, avec mes classes de 3e, j'avais été voir pas mal les cyber-héros et même les 3e, ça leur parle. Oui. Je pense que c'est surtout le visuel qui est peut-être un petit peu enfantin. Je crois que jusqu'à le deuxième, ça va. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le contenu, on peut l'adapter facilement. Et c'est ça que Brio a fait avec l'activité qu'il veut vous montrer. C'est une activité vrai ou faux. Alors, pour repérer un petit peu des fausses images, comment on peut distinguer les fausses images, comment on peut vérifier les infos qu'on voit en ligne. C'est ça. Donc, cette activité-là, elle peut être simple pour des primaires, mais donc l'idée est le vrai ou faux. On propose plusieurs images avec une affirmation au-dessus, et puis on essaye de se poser la question, d'abord en exprimant son opinion, est-ce que cette information est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? On m'appelle le cerf-vampire. On propose d'aller vérifier la réponse pour les plus âgés et si la classe nous permet d'aller vérifier la réponse. Et donc là, en humanité, on se posait la question aussi de tiens, c'est quoi des mots-clés? Comment faire une recherche sur Internet? Pourquoi est-ce que si je mets plein de mots différents et que je mets déjà une phrase qui est orientée, par exemple, les cerfs-vampires n'existent pas, pourquoi est-ce que ça va me conforter alors que peut-être c'est l'inverse? Pourquoi est-ce que si je ne mets pas une phrase neutre, l'information que je trouve pourrait être erronée? Avec les plus grands, on peut parler de ça. Et puis après, on se rend compte que c'est vrai, en fait, ça existe, mais on peut aller chercher plusieurs informations sur cet animal.
On a aussi d'autres styles d'images avec voilà, une image qui en fait a été reprise d'un film et des images qui sont réelles mais qui peuvent nous pousser à croire des choses fausses si, si on ne regarde pas le contexte dans lequel elle a été prise. On parle aussi des photomontages. Le lion noir existe ? Non, c'est un photomontage. On parle de, tiens, comment est-ce qu'on peut faire un photomontage et pourquoi est-ce que les photomontages peuvent être très, très réels, réalistes ? Et comment, pourquoi ne pas croire toutes les photos que je vois ? Quelque chose que j'entends souvent dans les classes, c'est peu importe la photo, c'est vrai parce que je l'ai déjà vue. Et alors, ça, surtout en primaire, effectivement, mais c'est important de se poser la question. C'est vrai que peut-être que je l'ai déjà vu ou quelqu'un m'a dit que c'était vrai, mais ça ne coûte rien d'aller faire une recherche. Ça ne coûte rien d'aller faire une recherche. Sur ce fameux lion noir, j'aime beaucoup aussi, avec les personnes en humanité, quand on fait la recherche, on se rend compte que les deux ou trois premiers articles nous disent que c'est vrai, ou en tout cas, c'est pas impossible. Les deux ou trois premiers articles qu'on trouve en tapant « lion noir existence » ou « lion noir existe », eh bien, nous disent « c'est pas impossible que ». Mais si on va plus loin, alors on commence à nous parler de tous ces photomontages et de cette photo du fameux lion noir qui a été publié sur Internet dans les années, au début des années 2010 et qui a fait un bruit énorme parce que tout le monde y a cru. Et voilà. Et donc, on peut aller un petit peu plus loin, effectivement, avec les images et les élèves plus âgés. Donc, l'activité peut rester simple, mais c'est la discussion qui est importante aussi. Et ici, on est surtout sur des images plutôt innocentes, mais avec les plus grands, on va parler, par exemple, des deepfakes ou de la propagande. Alors, on peut aller un petit peu plus loin sur le sujet. Qu'on aborde avec eux. Absolument. Et en parlant des deepfakes, effectivement, il y a un article qui est assez... Oui. Il y a un article qui est assez sympa. C'est voilà, comment reconnaître des images générées par toutes ces intelligences artificielles et qui nous donnent des clés, des mains bizarres avec... Je crois que ton écran est bloqué, Brieux. Je me permets de t'interrompre. Mon écran est bloqué ? On est resté bloqué sur le Slack, mais on ne voit pas l'article. Attendez. Parce que nous sommes entre... Hop, je vais arrêter la présentation. Et si... Tac. Celle-ci... Est-ce que maintenant vous voyez le pape dans une doudoune ? C'est oui. Bon ? Oui. Super. Eh bien, donc, ce fameux pape, on voit, ou bien Macron ici, c'est encore plus obvious, une main à 6 ou 7 doigts, peu importe, les intelligences artificielles ne comprennent pas, nous dit l'article, ce qu'est un doigt, ou c'est quoi qu'on a au bout des mains. Cette image, elle est bizarre dans son entièreté, je trouve. Absolument. Ou bien des problèmes de perspective. Le pape qui a en fait son pare-soleil, son paravent planté dans son ventre. Il y a les couvre-chefs qui sont complètement absurdes aussi. La personne ici qui a une visière en casquette à l'envers. Bref, ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on peut observer. Le fait est que toutes ces intelligences artificielles et tous ces deepfakes vont être de plus en plus réelles et certaines personnes, certains articles nous disent qu'effectivement, d'ici un an, les intelligences artificielles auront très bien compris ce qu'est une main, ce qu'est une perspective, ce qu'est... Donc, cet article est très intéressant aujourd'hui. Il faudra se renseigner dans un an. C'est effectivement, Internet devient obsolète très vite. C'est ce qu'on connaît d'Internet. Ça évolue tellement vite que tous les 2-3 ans, il faut réapprendre une bonne partie des choses. Maintenant, comme je disais à une formation hier, certaines choses qu'on a apprises avec les ordinateurs dans les années 90,
utiliser un clavier ou autre, c'est toujours utile aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on apprend aujourd'hui ne sera pas inutile. Donc, apprenons des choses aujourd'hui, c'est important. C'est ça que je veux dire. Même les bases. Il y a beaucoup de profs qui galèrent sur le manque de connaissances de base d'un ordinateur, comment l'allumer, comment l'éteindre, comment écrire. Il y a encore beaucoup de travail à faire aussi sur ce niveau-là. Alors, en effet, voilà. Mais on va revenir sur notre présentation. C'est pas si facile. Voilà, j'arrête la présentation. Je vous repropose l'autre fenêtre. Voilà. Cool. Comme ça, parfois, vous nous voyez aussi en grand et en voilà. Très bien. Alors, voilà, le CyberCaptain, alors, comme je vous ai expliqué déjà un petit peu, c'est un programme où on va travailler plus avec les élèves de 10 à 18 ans cinquième, sixième secondaire. Et c'est vraiment un accompagnement et leur apprendre à gérer, à mener des activités eux-mêmes, à se poser les bonnes questions, à réfléchir sur leur propre comportement sans qu'on vienne dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On remarque avec les jeunes, avec les ados, c'est parfois très compliqué d'imposer des choses. Alors, c'est vraiment plus une discussion et un apprentissage dans les deux sens parce qu'on remarque donc, on a beaucoup de choses à apprendre des jeunes qui connaissent parfois beaucoup mieux les réseaux sociaux, les applications. Et c'est très riche, en fait, les échanges qu'on a avec eux. Alors, ce sont des accompagnements de 2 heures, de 3 heures. Et après, on les laisse faire une activité avec les plus jeunes. Avec les plus jeunes. Voilà. Tu peux passer. Voilà. Et une dernière chose qu'on aimerait vous montrer ou discuter avec vous, c'est ici, c'est la pyramide de la prévention. Et c'est aussi un outil scientifique qui a été créé par Johan de Klerk. Je pense que c'est un sociologue qui l'a créé. Et Johan de Klerk, il dit que si on veut travailler de manière préventive, les cyberhéros, ça reste un projet de sensibilisation, on peut travailler sur plusieurs niveaux. Il y a certains niveaux où on a une prise dessus, mais il y a aussi des niveaux qu'on doit subir. Par exemple, le contexte social dans lequel on vit, on n'a pas vraiment de prise dessus. Mais à l'école, on peut quand même faire des choses pour augmenter le sentiment de bien-être de nos élèves, voilà, de manière générale ou de manière plus spécifique. Les cyberhéros, ça c'est vraiment très spécifique parce que ça parle d'un sujet très particulier, les réseaux sociaux et l'Internet. On peut aller un petit peu plus général aussi et travailler plus sur le bien-être en général de nos élèves, des petites compétences sociales qu'on peut développer avec eux, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans le bâtiment, qu'ils se sentent bien avec les profs, etc. Il faut savoir, si vous allez travailler de manière préventif, que ça donne aussi un espace aux élèves de se confier, de commencer à parler de leur vécu, de ce qu'ils ont déjà vécu en ligne. Et c'est donc très important aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire en tant que prof, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'école, quand l'élève vient vers moi et il nous raconte d'un problème auquel il est confronté sur les réseaux sociaux. Et ici, c'est vraiment une question ouverte pour vous. Est-ce que dans vos établissements, dans vos écoles, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des actions, des protocoles, qu'importe quoi, pour accueillir des élèves qui ont déjà rencontré des soucis avec l'Internet, en cas d'harcèlement, en cas de vie privée, par exemple, ou des comptes piratés, etc. Est-ce que vous, dans vos écoles, vous avez déjà travaillé à ce niveau-là, avec des élèves ? Est-ce que vous avez dû trouver des mesures, ces fameuses mesures curatives,
Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Chez nous, pas encore, mais ça doit être fait. Donc, les situations ont eu lieu, mais vous n'avez pas encore trouvé de parade ou de choses à faire, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, des petits soucis, entre guillemets, ont été réglés entre les personnes, mais ce serait bien d'avoir une formation un peu plus globale par rapport à tous les enjeux dont on a parlé aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent tous être mis en garde et pas agir juste quand un problème se pose, quoi. C'est souvent de la réaction dans les écoles. Ouais. Moi, j'avais eu ça avec une classe, effectivement, où il y a eu des soucis de harcèlement, des choses comme ça. Et du coup, on s'est, à ce moment-là, tourné vers une ASBL extérieure pour venir faire des activités en classe avec le groupe. Mais trop tard, enfin, clairement trop tard. Ben, le moment qu'on est dans les mesures curatives, c'est d'office trop tard parce que voilà, le mal a été fait. Mais on peut travailler de manière préventive, mais ça ne va pas tout de suite empêcher qu'il y a des problèmes. Alors, c'est important de réfléchir à ça et de se préparer à ça. Parce que je pense que beaucoup d'écoles maintenant, ils inventent sur le coup. OK, il y a un souci, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de protocole mis en place et je pense que ça peut beaucoup aider pour gagner du temps et de l'énergie, que vous ne devez pas à chaque fois faire cette réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors voilà, j'étais curieuse, nous étions curieuses de savoir si vous avez des choses dans vos écoles à ce niveau-là, mais si j'entends bien, ça reste très compliqué. Difficile. Ok, ben je pense qu'on peut passer au dernier slide par rapport à tout ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que ça a résonné avec des choses que vous avez déjà vécues, des choses que vous voulez partager? Quels seraient vos besoins suite à quand on exprime tous ces enjeux, le fait qu'on n'a pas encore de protocole, mais on est confronté à tous ces problèmes, ce serait quoi, vous, en tant qu'enseignant, vos besoins pour vous, pour vos élèves? Et comment les cyber-héros pourraient éventuellement vous aider là-dedans? Mais je pense qu'une partie de la réponse est dans la question. Les outils commencent tout doucement. Enfin, on découvre des outils qu'on peut concrètement utiliser. Maintenant, en plus de formation, je pense qu'il y a aussi l'information pour les enseignants. On a passé une première phase d'équipement et de formation, on va dire, technique aux outils numériques. Maintenant, ben voilà, c'est le prochain step, c'est ça, c'est tout ce qui est aspect citoyenneté numérique et comment utiliser ces outils de manière... responsable, on va dire, et voilà, c'est en tout cas dans mon école, c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est seulement depuis cette année-ci où on réfléchit vraiment à la question et on met en place certaines choses et on compte continuer l'année prochaine. Donc on va certainement se retourner vers vous très prochainement pour organiser des animations dans les différentes classes. Faut savoir que dans notre école, tous les élèves sont équipés. Alors, on a un peu fonctionné en réaction au problème, comme l'avait souligné Virginie, mais c'est clairement pas comme ça qu'ils font fonctionner. Et on compte rectifier le tir très prochainement. Enfin, on y travaille, en tout cas. J'ajouterai un élément qui ne concerne pas ton école, mais toutes les écoles, c'est que un des gros problèmes, c'est que bien souvent, ces formations-là, c'est un temps, une durée ou un cours. Et puis plus rien. Et comment la question, c'est comment installer ça dans le temps chez les élèves, que ce soit par rapport au cyberharcèlement, au harcèlement tout court, que ce soit par rapport au problème de désinformation, enfin toutes les sphères de la cybercitoyenneté. C'est l'installer dans le temps et faire en sorte que ça impacte tous les cours. Et ça, pour moi, c'est la grosse difficulté. Si ça ne concerne qu'une personne, qu'un prof, qu'un référent. Oui, il faut que ça concerne un groupe de personnes et impliquer les élèves. On le fait déjà dans notre école où un groupe d'élèves, on appelle ça le groupe
d'écoute active. Donc, ils ont été formés et, à l'écoute active et ils sont disponibles pour les autres élèves à un moment donné dans un local. Et donc, on peut aller les trouver sans prendre de rendez-vous, etc. Et donc, ce sont des élèves de 5e et de 6e qui accueillent d'autres élèves et ils peuvent parler de leurs problèmes, etc. Ici, on pourrait imaginer la même chose dans le cadre de tout ce qui est harcèlement dans le sens plus large et aussi au niveau des réseaux sociaux, etc. Maintenant, c'est clair que le nombre de personnes concernées est important, mieux c'est. Ça ne doit pas être la responsabilité d'une seule personne. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est important, je pense, que tu dis, d'avoir plusieurs personnes, parce que s'il y a une seule personne, les élèves ne connaissent pas. Oui, et quand c'est un adulte, c'est encore plus compliqué. Quand c'est une personne, il y a tout ce qui est affinité, soit on a des affinités avec cette personne ou pas, donc si pas, on ne va pas la trouver. Donc il faut vraiment qu'il y ait une équipe en place et impliquer les élèves au maximum. Mm-hmm. Ouais. Alors le processus a déjà commencé dans notre école, mais donc c'est à continuer et à alimenter encore plus, surtout en mettant l'accent sur l'aspect numérique. Il y a une forte demande des parents quand même aussi. Alors parfois, comme tu l'as souligné, je pense Virginie, en début d'atelier ici, il faut parfois aussi remettre un peu réexpliquer aux parents que quand même chez eux, c'est leur responsabilité, parce que parfois on a tendance trop facilement rejeter la responsabilité sur l'école. Mais voilà, il faut travailler en équipe on ne peut rien dire. J'ai monopolisé la parole suffisamment longtemps. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore partager une dernière, avant-dernière chose? Dans toutes les écoles 1-1, on est confronté au problème de toute façon. Oui. Qu'on se mette. Il n'y a pas forcément quelque chose en place. Tu me corriges si je me trompe. Anne, il me semble que chez nous, il y avait quand même un éducateur qui était personne ressource pour tout ça. Je me souviens qu'on avait des éducateurs qui étaient plus doués au niveau cyberharcèlement. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment formés à ça, mais on a oui. Mais même dans la communication avec les enseignants, tu vois, c'est pas encore clair quand il y a quelqu'un de référent. Donc c'est vraiment. Il y a des choses qui doivent être mises en place, mais il faut aussi les communiquer à l'ensemble des profs. Et je pense que ça doit être répété tous les ans, parce que c'est quelque chose qui finit par être acquis ou pensé acquis. Et en fait, si on ne retape pas un peu sur le clou, ça ne va pas. Je trouve que ce serait pas mal d'éduquer tous les éducateurs à ça, ou de. Oui, au niveau harcèlement, que tous les éducateurs sachent un petit peu comment gérer ça et que tout le monde agisse un petit peu de même façon. Et je pense que les profs avec, oui. Oui, oui. Et je pense que les profs sont demandeurs de formation, mais ce n'est pas toujours évident d'agencer l'agenda, de trouver les bonnes formations. Et... Mais c'est clair que c'est nécessaire. Ça doit être organisé en interne d'une école, parce qu'une situation d'une école n'est pas l'autre, je pense aussi. Le public n'est pas l'autre. Et donc, si vous allez dans les écoles, je pense que c'est comme ça, c'est la meilleure façon de faire. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Mais... Oui, et c'est important aussi que ce soit des personnes extérieures, justement, qui viennent faire ces formations-là, que ce ne soit pas des profs qui sont déjà dans l'école. Parce que je crois que pour les élèves, c'est bien d'avoir une tête différente, une autre casquette, quelqu'un qui a une autre casquette, en fait. Ouais. Ouais. Super, eh bien, merci beaucoup à toutes et tous. Je pense que si vous n'avez plus rien que vous voulez ajouter là maintenant tout de suite, qu'on peut... J'ai une question. Oui, ouais. On a vos numéros de téléphone. Vous avez une adresse. Enfin, vous préférez qu'on vous contacte par téléphone, par mail? Peut-être une petite introduction par mail et après on se contacte plutôt téléphonique pour les choses plus concrètes, détails. Oui, c'est ça. C'est plus facile de faire un suivi multiple, Anne et moi, si c'est par mail. Ouais.
que par, par téléphone. Maintenant, si c'est une question spécifique pour une de nous deux, c'est... De toute façon, si vous envoyez un mail sur Cyber Hero, ça arrive chez, chez toute l'équipe, chez toute l'équipe, chez nous deux. Alors, voilà. Petite question au niveau délai aussi, si on veut que vous fassiez une petite formation pour les élèves, par exemple, combien de temps à l'avance est-ce qu'on doit s'y prendre? Ben maintenant, tout petit doucement, on commence avec les inscriptions pour l'année prochaine. J'ai pas vraiment, je ne peux pas vous donner vraiment un délai très spécifique pour qu'on puisse, je pense, pour être bon, au moins un mois, je dirais. Alors, ça peut se faire assez rapidement. Ok, merci. Si je ne dis pas de bêtises, hein, Justine, si tu nous écoutes encore. Ah oui, ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça dépend aussi des périodes de l'année. Il y a forcément des périodes de pic, mais en général, on sait aussi assez bien s'organiser pour répondre aux besoins dans des délais pas trop longs. Voilà. Là, il faut aussi savoir qu'on est dans une phase de mise en place du planning de l'année prochaine. Il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu en train de bouger par rapport à ce qu'on va proposer aux écoles. Et donc, mais que très rapidement aussi, on devrait pouvoir activer... aussi bien ce qui se passe sur nos réseaux sociaux et sur le site pour être les plus clairs et les plus transparents par rapport à ce qu'on a envie de proposer. Mais effectivement, du côté du secondaire, il va y avoir pas mal de mouvements et a priori, voilà, de chouettes choses qui devraient pouvoir se passer avec des activités qui impliqueront aussi bien les élèves plus âgés que les plus jeunes. Donc, on est en train de travailler à la conception en ce moment. Justement, j'avais une question. Vous l'avez peut-être dit, mais à certains moments, je n'écoutais pas, je n'étais pas là. Est-ce que ça concerne aussi, est-ce qu'il y a des formations qui concernent aussi les profs? Pardon. Est-ce que c'est spécifiquement, il y a eu un son. Pour les élèves ou ça des formations aussi des modules qui concernent les profs? Ben, le Cyber Captain, c'est surtout pour les élèves. On va se focaliser surtout sur les élèves. Ouais. Je pense que dans un premier temps, il faut dire aussi, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était principalement présent dans le primaire. Cette première phase d'activation des cybercaptaines ou du moins de d'essaimage des cybercaptaines à une assez grande échelle va nous permettre aussi un petit peu de, entre guillemets, tâter le terrain, de voir si on identifie qu'effectivement de la formation d'enseignants peut être assez bien complémentaire de ce qu'on propose pour les élèves. On va y aller a priori progressivement. On se lance d'abord sur l'accompagnement des élèves. Mais je pense que très, très vite aussi, ce sera possible de commencer à pouvoir envisager l'accompagnement d'enseignants. Après, on est aussi un petit peu à l'affût de ce qui va nous être remonté, tant du point de vue des besoins que de la disponibilité en temps des équipes pédagogiques, parce qu'on sait aussi que c'est une grosse problématique et que typiquement, ce qu'on voit avec les établissements secondaires, c'est que c'est pas les établissements primaires, pardon, c'est que ce n'est pas toujours non plus évident de libérer le temps nécessaire. Et donc, il y a une question de calibrage aussi par rapport au format que nous, on va imaginer. Il faut, je crois, qu'on soit réaliste par rapport à ces disponibilités-là et au fait de pouvoir se projeter sur une heure, sur deux heures, sur une demi-journée, sur deux journées, etc. etc. Je pense alors que... on peut clôturer la séance. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Alors là, vous avez notre adresse mail, notre numéro, s'il y a encore des questions qui viennent plus tard ou si vous avez des demandes en particulier. On est vraiment là pour vous guider le mieux possible. Super. Eh ben, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci à l'équipe de Bibliothèque Sans Frontières. Alors, c'est un webinaire. Merci Virginie pour l'organisation. Avec grand plaisir. C'est un projet auquel je crois. Ça fait longtemps en tout cas que je vous suis et ça fait plaisir de collaborer avec vous. Très bien. Également. Passez une bonne après-midi et on s'entend plus tard. Et excellent morceau de chocolat. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.